Je maintiens cette invitation, car là nous sommes dans une commémoration. Et nous avons en partage les milliers, pour ne pas dire les millions de morts qui ont été les victimes de ce conflit, mais aussi les héros. Il peut y avoir des suspensions de rendez-vous, notamment pour ce qui concernait la réunion entre l'Union européenne et la Russie. Mais pour ces commémorations, nous devons tout faire pour que ce soit l'esprit de paix qui l'emporte. Nous ne devons pas là considérer la Russie d'aujourd'hui, seulement la Russie d'aujourd'hui, pour laquelle nous avons d'ailleurs de l'amitié, mais aussi la Russie qui a été solidaire de la France dans l'épreuve et qui a payé un lourd tribut pour lutter contre le nazisme.